Il y a maintenant 2 ans, je suis arrivé à Moréa au cours d'un voyage en famille avec ma mère et ma sœur. Et c'est vrai que je suis complètement tombé amoureux de ce pays. Quand je suis arrivé ici, justement, j'ai commencé par la plongée bouteille. Et il y a une faune aquatique vraiment extraordinaire, notamment les requins, les tortues. Et c'est vrai que d'évoluer dans ce milieu très riche, et ben c'est pour l'apnée aussi, c'est très agréable. Et dans une eau aussi qui est très très claire, parce que l'eau ici, il y a une visibilité vraiment incroyable. Je pense que la Polynésie, c'est un pays qui est vraiment très proche de la plongée en apnée, car c'est ici qu'a débuté la récolte de la perle. Et justement, cette récolte de la perle, à l'époque, à l'origine, se faisait en apnée, car c'est le pays d'origine. J'ai commencé par la natation. Dès l'âge de 8 ans, j'ai commencé la natation en compétition. Et ensuite, à partir de 12 ans, j'ai commencé la plongée bouteille. Et c'est à partir de 13 ans, justement, après avoir vu le film Le Grand Bleu, c'est ce film-là qui m'a fait découvrir l'apnée, qui a commencé un petit peu cette passion pour la plongée en apnée. Car à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce sport, et c'est ce film qui m'a fait connaître ce sport. J'ai commencé à m'entraîner avec des copains à la mer ou tout seul dans ma baignoire. Et c'est là qu'a commencé à m'attaquer justement le virus de l'apnée. Depuis le mois d'avril dernier, j'ai créé une structure d'entraînement, une école de plongée en apnée au Moréa Beachcomber Intercontinental. Et justement, j'accueille des gens, du débutant à l'apnéiste confirmé, hein, même des professionnels. Et ça permet à ces gens-là de découvrir l'apnée, les sensations de glisse que procure justement une descente avec la gueuse en eau limite, en poids variable. Mais aussi, j'apprends aux gens à avoir une meilleure technique de palmage, à une meilleure respiration dans l'eau, un meilleur relâchement. Et ça, je pense que c'est bien, c'est assez unique en plus ici, et ça permet aux gens de découvrir une nouvelle activité aquatique. À partir de 1996, j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement en apnée, en compétition, lorsque j'étais à Nice. Et là, j'ai réalisé 3 records de France en poids variable. C'était les premiers records de France à l'époque. Et j'ai aussi participé à plusieurs championnats du monde et j'ai notamment été vice-champion du monde par équipe. On avait fini deuxième. Et là, maintenant, depuis que je suis ici en Polynésie, en fait, depuis seulement le mois de juillet de cette année, je commence à m'entraîner en apnée et en vue de réaliser une démonstration au mois de novembre à 120 mètres pour justement un petit peu montrer de quoi je suis capable ici. C'est vrai que pour arriver à faire ce sport, pour descendre en toute sécurité, on a vraiment besoin d'être encadré par une équipe vraiment soudée. Et c'est vrai qu'en fait, c'est bien quand c'est des amis, parce que en fait, je mets ma vie entre leurs mains, notamment entre les mains des plongeurs profonds qui font ma sécurité aussi sous l'eau, mais aussi des apnéistes de sécurité qui viennent me chercher à 30 mètres, ainsi que le médecin qui est à bord aussi. En fait, on est toute une équipe, tout un staff. Qui me permet de descendre l'esprit serein quand je vais tout en bas. Et donc ça, c'est important. Et c'est important aussi que ces personnes-là viennent aux entraînements régulièrement, à chaque fois que je m'entraîne. Et c'est ces personnes-là qu'on mettra le jour J sur la place, en fait, pour le record. Ils auront chacun leur place, ils seront entraînés pour, si jamais il arrive quelque chose, être vraiment entraînés à agir le plus rapidement possible.
Je m'appelle Frédéric Gillet, je suis apnéiste de sécurité, chargé de la sécurité de Yoram. Mon rôle avant tout est d'assister Yoram à la remontée au niveau des 30 mètres et de l'accompagner à la surface. En plus d'apnéiste de sécurité, mon rôle est également de vérifier sa gueuse avant qu'il parte, donc 30 secondes avant qu'il parte, pour être sûr que tout se passe bien lors de sa descente. C'est vrai que pour être serein le jour J, pour les 120 mètres, on a l'habitude avec mon équipe de s'entraîner plus profond pour que justement, si jamais je suis stressé, qu'il y a de la houle ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien comme ça, en s'étant entraîné plus profond, on est sûr que le jour J, et bien je vais être bien relâché et que tout va bien se passer. Et c'est vrai qu'avec les profondeurs justement qu'on a réalisées à l'entraînement, on est vraiment très confiant pour les 120 mètres et on est certain que tout va vraiment très bien se passer. Secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. De 45. Monsieur, le voilà. Top. Ouais.
via, di via tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. 121 c'è la profondeur, 252 c'è le temps d'attente. Questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful. Oui, ça s'est très bien passé. Justement, maintenant qu'on a réussi ces 120 mètres avec mon équipe, on est tous fiers d'avoir réussi à réaliser cet objectif. Même si c'est vrai que le matin même du record, on était assez tendus tous parce qu'il y avait des conditions météo assez difficiles, des grosses vagues et du vent. Et c'est vrai que jusqu'au moment où j'ai commencé ma descente, j'étais pas très relâché. Mais après, justement, dès que je suis parti, dès que je suis descendu, j'ai réussi à me relâcher. Quand j'étais aux alentours des 60 mètres, là, je me suis dit, c'est bon, je vais y arriver. Là, l'actuel record du monde est détenu par Loïc Leferme, un Français, mon ancien équipier d'ailleurs, avec qui je m'entraînais avant à Nice. Et il a fait 154 mètres cette année. Donc les 120 mètres, c'était une préparation en vue d'organiser justement un record du monde l'année prochaine. On va reprendre l'entraînement dès le mois de janvier avec mon équipe. Et si on voit qu'on est prêt, aussi bien au niveau technique, mais aussi au niveau de mes partenaires financiers, eh bien on fixera une date pour organiser ce record du monde, si tout se passe bien, l'année prochaine.